Des sénateurs Les Républicains veulent stopper les transitions de genre chez les mineurs. Un rapport remis au Sénat lundi prévoit une proposition de loi pour empêcher l'accès aux bloqueurs de puberté, aux traitements hormonaux et aux chirurgies dites de réassignation avant 18 ans. Il souligne les risques potentiels de décisions irréversibles et le manque d'études sur les effets secondaires des traitements chez les mineurs. Les sénateurs suggèrent une prise en charge psychiatrique en première intention pour les mineurs qui se déclarent transprésentant des troubles comme l'autisme ou l'ETA, repoussant la consultation pour dysphorie de genre à un second temps. Le rapport recommande également de revenir sur la catastrophique « circulaire Blanquer » qui a fait basculer l'école dans le camp de l'idéologie trans et demande d'interdire l'intervention des associations non neutres dans les établissements scolaires, ainsi qu'une surveillance du contenu des manuels scolaires sur l'identité sexuelle par l'éducation nationale. En somme, ils font ce que la gauche ne fait plus et c'est tragique, protéger les droits humains des enfants.